Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un de mes cahiers de coloriage. Encore un de chez Hachette Loisirs, donc Art Thérapie, Princesse Disney. Voilà, sans coloriage. J'étais obligée de l'acheter, celui-ci, hein, il est trop beau. Il est trop beau avec ses dorures, hein, on est d'accord. Il rend super bien dans ma bibliothèque, hein, donc il me le fallait celui-ci, j'étais obligée. Donc moi j'utilise donc feutre et crayon de couleur dedans. Il y en a certains qui sont déjà faits, qui sont déjà finis, qui sont commencés. C'est vraiment que j'ai celui-ci maintenant, 12,90 dans le commerce. Vous pouvez très bien les retrouver Fnac, Amazon ou autre. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause si jamais vous voyez que je vais trop vite. Donc moi j'adore vraiment les livres Hachette, sauf pour ça, les doubles pages. J'ai un peu de mal, ça prend tellement de temps. Voilà, j'ai un petit peu de mal à les faire ceci. Parce que la plupart du temps, c'est vraiment très fin. Donc, bon, au pire, je l'ai fait avec mes N88 de chez Stabilo. Mais enfin, voilà, c'est très... Ou mes crayons de chez Lidl. Pointe fine. Donc voilà, on va retrouver tout l'univers de Disney avec toutes les princesses. C'est ça qui est sympathique. Encore une double page. Enfin, déjà une double page. Déjà. Encore une. Génial. Encore une double page. J'aime bien aussi les pages comme ça en fond noir. J'adore pour utiliser mes fluos. J'adore. Ça claque bien, je trouve. C'est mignon. Oh, une double page. Là, on sent que derrière j'ai fort appuyé. Donc là, celui-ci il est en cours. Donc, et pareil, je sais pas trop si je vais faire exactement la même chose ou pas à côté. Enfin, vu que c'est communicatif, je sais pas trop. Et j'ai utilisé mes aquarellables, mi-aquarelle, mi-crème couleur. Voilà. Non, je l'ai encore pas fini. Celui-ci c'est le même, c'est à peu près le même style, je sais pas si je vais refaire la même chose ou pas. Je ne sais jamais. Du coup je fais pas. Je sais pas. Celui-ci commencé, mais très très long. C'est vraiment des détails. Je vais faire un mix avec les crayons pailletés et feutres. Ça va être pareil. Je sais pas trop. Je vais en faire celle-ci. Thank you.
Cette fois-ci, je pense que je vais bien aimer le mix entre le noir et blanc et le blanc et noir. Ça, ça doit être très 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 long. Donc oui, beaucoup de pages où enfin, finalement bah, c'est le même coloriage qu'à refaire quoi. C'est dommage. Celle-ci aussi va être très très longue à faire. Celle-ci, c'est la même que j'ai faite au début, sauf que c'est l'inverse en noir et blanc. Ah oui, il est fait d'optique là. C'est tout bizarre. Ah, la caméra. Donc, voilà pour ce qui est du coloriage. Donc voilà, il y a des points positifs comme des points négatifs, c'est quasiment comme pas dans tous les livres de coloriage. Donc le point négatif, c'est que vous avez plusieurs fois le même dessin en fait. Donc si voilà, vous êtes comme moi, vous manquez un petit peu d'idées, vous savez pas si vous osez faire différemment ou si vous refaites exactement la même chose ou juste en symétrie, je sais pas. Donc ça ouais, c'est un des points négatif, c'est bon, vous voyez, j'en ai encore un. Beaucoup de ça, beaucoup de voilà, double page où c'est des trucs très longs à faire et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Comme celle-ci, vous voyez, c'est pour très peu de pages princesses en fait. Mais les pages princesses sont vraiment jolies quoi. Et sinon, bah, c'est les mêmes coloriages sauf une fois sur fond noir. Et une autre fois sur fond blanc. Beaucoup beaucoup de double pages. Mais bon, les pages princesses sont vraiment belles quoi. Donc ouais, mon cœur balance. Mais bon, je suis contente de l'avoir celui-ci. Hein. De toute manière. Et de toute manière, j'ai du coloriage là pour jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Si je finis toutes les doubles pages de ce livre. Je sais pas si quelqu'un a déjà réussi à le finir.
Ou sinon, faut juste, enfin, voilà, c'est une personne qui n'a juste un livre de coloriage, je dirais, et qui, voilà, qui ne fait qu'un coloriage, qui ne fait qu'un livre. Celle-ci, elle est trop belle. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai un lien en barre d'infos de toute manière si vous voulez l'acquérir. Je mettrai un lien Amazon ou Fnac ou n'importe ce que je trouverai. Mais moi je suis très contente de l'avoir. Bah, c'est collection hardback de Hachette Loisir. C'est super plaisant à colorier dedans. Vous pouvez utiliser feutre, fond de papier. J'utilise même l'aquarelle dedans et ça va. Donc moi je les aime beaucoup ceux-ci. Et j'aimerais bien agrandir ma collection, bien sûr. Tant qu'à faire. Donc voilà pour ma présentation de mon livre de coloriage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!